multiples interventions. La défense a tenté de nous faire croire, par un sophisme dont nous n'avons pas encore mesuré toute l'absurdité, la défense a tenté de nous faire croire que ce procès de droit commun était un procès politique. En réalité, messieurs les jurés, il s'agit de juger 5 malfaiteurs. Et j'insiste bien sur ce terme, 5 malfaiteurs de droit commun qui ont mis leur imagination féconde, il est vrai, au service du mal, en utilisant l'agitation politique comme paravent de leurs activités sinistres. Lisons-nous, dans le regard de ces hommes, une quelconque lueur laissant subodorer un idéal, une pensée politique. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Quel est le dénominateur commun à toutes ces actions criminelles? C'est l'argent. Tout simplement, l'argent. Rien que l'argent. Ou pour parler le langage de ces messieurs, le fric. Quant à la politique, ils s'en moquent éperdument. D'ailleurs, les experts psychiatres sont formels. Le quotient intellectuel de ces 5 individus est lamentablement au-dessous de la moyenne. Quant à Simon, et alors là, je cite un rapport d'expert, quant à Simon, il présente, selon le docteur Mathieu, des symptômes cycliques névrotiques allant de la dépression hystérique à la paranoïa aiguë. Je ne rappellerai qu'un seul fait au sujet de cet individu, de ce Simon. Un fait qui concerne ses activités en 1961 aux abords de l'usine Simca de Poissy. Simon Duroc, qui avec ses camarades d'usine avait détourné 8523 pneus en moins d'un an, se vit pour la première fois de sa vie condamné à 3 ans de prison. C'est à partir de ce jour qu'il devint irrécupérable pour la société. Monsieur, le plein ? 2500 francs. 2500 francs. Hôtel Golf Romeo de T6, Juliette Papa, me recevez, vous répondez. Ah, Golf Romeo, si vous me recevez, faites un 180 degrés. On sait que vous transportez les armes et posez-vous immédiatement à vous. Ah, Fox, bravo, Hôtel Golf Romeo de T6, Juliette Papa, me recevez, vous répondez. Thank you.
Voilà, monsieur. Un petit coup de pare-brise. Un petit coup de pare-brise. C'est ainsi que naquit le tandem Jacques Charlot, qui dans les années 60-65 fit régulièrement la une de tous les journaux. De 65 à 70, ils prirent des vacances à la santé, et là-dessus nous n'avons aucun détail. Aïe, 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 a
Lascia perdere. Questa macchina è rubata. Eh? Rubata questa macchina? Sì, sì. No, guardi, non è possibile. Questa macchina è rubata. No, signore, questa macchina. Aspetta, un momento, vorrei dire, io devo dire una cosa, però, che questo signore io non lo conosco. Ah, non lo conosce? No, non lo conosce. Io l'ho incontrato dall'ispettore. Avanti, su. Ma che ispettore? Questa porta non si apre. No. La vuole aprire questa porta o no? Sì, sì, subito. Andiamo, su. Non lo conosco. Insomma, tu mi conosci, tu? Non lo conosco. Ma come non lo conosco? Dillo, non lo conosco! Io non lo conosco. No, un momento. Quella macchina è sua. Quella macchina lì. Ma sua. No, che non è mia! Ispettore, gli sto dicendo che io ho avuto un incidente a 3 chilometri di qua. Sì, no, ho capito. Questo signore, tu disgraziato, se non mi facevi... Guardi... Io sarei di... No, un momento, ispettore. L'incidente, la macchina è là, rovinata. D'accordo, d'accordo. Si tratta di una piccola formalità. Quella macchina è rubata. Andiamo in quest'ora e verifichiamo. Ma, un momento, ma a che me ne frega? A me se questa macchina è rubata non è colpa mia. Io c'ho un aereo da prendere fra un quarto d'ora, ispettore. Va bene, vorrà non dire che... Non posso andare... Non posso andare a verificare, ispettore, io questa, ma non c'ho tempo. Io fra 3 ore devo essere a Parigi. Guarda, vorrà dire che ne prenderà un'altra. Appena abbiamo sbrigato questa piccola formalità... Ma non vuoi dire tu che hai fatto sto casino, sì o no? Io non ho rubato la macchina. Ma che me ne frega a me se hai rubato la macchina o no? Diglielo che hai fatto un incidente e che mi hai portato qua. Io la macchina l'ho trovata e lui non lo conosco. D'accordo, vorrà dire che in quest'ora spiegherete tutto. Ispettore, stiamo calmi. Senta, un'altra volta. Lei deve sapere... Lo capisci quello che dici? Sì, ho capito perché. Io devo essere a Parigi, fra certo, certo. Io dico semplicemente, andiamo in questo. Verifichiamo non e ce la. Non si può fare a meno, guardi, mi faccia sto favore. Si tratta di sbrigare questa piccola formalità e poi prende il prossimo aereo. Va bene. Un momento. Esca. Io? Sì. Ma bravo! Lino Massaro, capo gang dei falsari d'arte. Io non lo conosco, eh? No, eh? Io non lo conosco. Se ho ben capito, voi non vi conoscete. No, io ho rubato la macchina. Ma bravo! Lino Massaro fut condamné à 5 ans ferme, ainsi qu'Aldo Mazzione, qui n'arriva jamais à expliquer que le vol de la voiture et l'histoire des tableaux étaient 2 affaires différentes. Mais revenons maintenant, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, à l'année 71-72, pour mieux comprendre ce qu'il y a à comprendre et voir, en détail, ce que firent ces messieurs à leur sortie de prison. Alors je dis aujourd'hui, pourquoi pas nous ? Si vous êtes venues si nombreuses, répondant à notre appel, c'est bien que vous sentez que l'ancien temps est révolu. Nous ne voulons plus être la dernière colonie française. Plus de clandestinité, plus de ghetto. Il faut sortir au grand jour. Nous avons été les premières à descendre dans la rue depuis 2000 ans. Les propriétaires du trottoir, c'est nous. Que seraient ces messieurs sans nous ? Réponse, rien ! Rien ! Ils n'ont aucun droit de propriété sur nous ! Nous sommes les moteurs d'une gigantesque industrie qui rapporte des milliards. Nous ne voulons plus être exploités. La prostitution est une usine que nous pouvons gérer nous-mêmes, puisque les machines, c'est nous! Nous sommes aujourd'hui réunis ici des milliers, demain, ensemble, si nous le voulons, nous pouvons être des millions! D'exploitation de la femme par l'homme. Je ne brandis pas le drapeau rouge du communisme ni le drapeau noir de l'anarchie. Je brandis le drapeau rose de l'amour et de la liberté. Nous arriverons à...
prouver que la prostitution peut devenir un service public. Et je vais plus loin. Nous voulons être considérés comme un service d'utilité publique. Steve, je trouve que tu as été sensationnel, génial. Ah bon. Pioche, vraiment, je savais pas que tu pouvais arriver à parler comme ça, tu vois. Pour moi, c'est une découverte, ça. T'aurais dû être actrice au lieu de faire la pute. Tu vois, ça m'est jamais venu à l'esprit. C'est pas très gentil de me charrier. Je te charrie pas, je te garantis que c'est vrai. Seulement, ce que t'as pas compris, c'est que c'est pas du théâtre, tout ça. C'est sérieux. Bah, écoute... Moi, j'avais l'impression d'être à une fête de patronage. En tous les cas, j'ai l'impression aussi que vous êtes bien marrés. On peut se marrer, puis ça peut être sérieux quand même. Enfin, écoute, Nicole. De toute façon, je voudrais quand même que tu m'expliques un petit peu, parce que moi, j'ai du mal à assimiler tout ça, tu vois. Quoi? Quoi? Ça. Où est-ce que vous voulez en venir? Où est-ce que tu veux en venir, plutôt? Allez, vas-y. Écoute, Lino, t'as pas compris que le temps des maths, c'est fini. C'est tout. C'est ça? Si, c'est pas que ça. C'est tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, dans le monde. Les choses ont changé. Tu vois pas, toi, avec ton costard, tes rayures, là. La Mercedes, pilote avec sa casquette, je te jure. Vous êtes démodé, hein? Je suis démodé, moi. Nous sommes, alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, les employés renvoient les patrons, c'est ça? Ça y est. T'as compris. Oui, c'est à peu près ça. Moi, patron, je vous en reverrai jamais. Tout à l'heure, tu parlais d'autogestion. Oui. C'est bien ça? Oui, autogestion. C'est ça. Oui, c'est le mot que j'ai dit, oui. Eh ben écoute, je l'admets, tu vois. Quoique. Enfin, je l'admets, même dans les bordels. Après. Mais le patronat, c'est terminé, c'est ça que ça voulait dire. Faut que tu comprennes ça quand même. Nicole, écoute, tu vas quand même pas. Prends-toi, tu vas quand même pas me dire que moi j'étais un patron. Jamais, pour personne. Enfin, Aldo, est-ce que je t'ai déjà tenté en patron, moi? Non, patron. La bonne mine, tiens. Écoute, nous parlons sérieusement, Nicole. Deux minutes, écoute. Quand je te dis nous, oui. Il y a des coups durs. On en a eu, vous en avez eu. C'est vrai? Bon, et bien à chaque fois, vous nous avez trouvés. À chaque fois, on a été là, pour tout, pour n'importe mais quoi. Mais le contraire. Regarde, les colonies de vacances, les mômes, qui est-ce qui s'en est occupé? Comment vous auriez fait? Ben, c'est vous. Eh ben alors? Mais ça suffit pas, Lino, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Mais ce qu'on veut, ben, on veut la sécurité sociale, par exemple. Voilà, voilà. Patron, je te dis, ne discute pas avec les communistes, mon Dieu. Non, écoutez, ça va, ça suffit, toi, Aldo, hein? Pénible. Quand on discute de politique, alors, tu sais, je m'énerve. Et voilà, passe-toi. Je m'énerve. J'arrête la Mercedes et tu prends la métro.
ça. On reste calme. Merci. Pardon. La porte. La porte. Pousse sur la sonnette. Pousse sur la sonnette. Appelle la police. Voilà. Maintenant, on va leur téléphoner. Le 1 et le 7. Allô. Bonjour, monsieur de la police. Bien, on t'appelle la BDP. Faut me dire tout de suite. Okay. Et tout est OK. OK, on arrive. Envoie-moi la lapin. Ils sont là, messieurs de la police. Ils vont arriver tout de suite. Allez. Papa, ça y est, cette fois-ci, notre action n'a pas été inutile. Non, écoute, écoute, mon petit Daniel. Si tu veux bien, on parlera de tout ça demain matin, tranquille. Parce que aujourd'hui, j'ai mon compte. T'as compris? J'ai mon compte. Disons que j'ai eu une journée un petit peu spéciale. Et vraiment, j'ai l'impression de vivre dans un monde de dingue. Je ne sais pas ce qui vous prend à tous, mais... Non, écoute, et puis moi, je ne veux pas devenir dingue. Je suis pressé, alors maintenant, tu vas m'accompagner au Trocadéro. Non, papa, il faut que je t'explique. Non, alors, je veux que tu comprennes. Oui, mais alors, deux secondes, hein. Deux secondes. Vas-y. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Et les bagnoles, foutu. Il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu nous aides. Bon, alors, pour l'instant, raccompagne-moi, sois gentil, dépêche-toi. Puis alors, boucle-moi ce temps-là, comment ça marche? Parce qu'en plus, j'ai pas envie d'attraper la crève, moi. Tu tires vers toi, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Planque-le. Mais qu'est-ce que c'est? Un tiers d'essence, un tiers d'éther, un tiers d'oxygène. Un tiers de... Et qu'est-ce que tu fais avec ça? On l'allume et ça explose. Ça explose? Oui. Non, mais... Viens voir. Viens avec moi. Ça s'allume où? Là. Mais ça marche! Alors, tu disais que les bagnoles, c'était foutu. Oui. Je vais te montrer que j'ai peut-être tout compris. Là. Regarde. Mais... Tu vois bien, Daniel, j'ai tout compris. Seulement, fallait que tu m'expliques. Tiens, voilà pour ton métro. Fasciste. 3000 filles qui se sont rassemblées. Et tu sais pourquoi faire? La grève. Oui, monsieur, la grève. Coucou. Tu permets une seconde? Puis pas seulement ça. Des slogans, fallait voir quoi comme revendication? Notre vente nous appartient. Sexisme monnaie. En dur. Oui. Très dur. Le trottoir est à nous, on ne veut plus être soutenu. Ah oui. Attends. La sécurité sociale. Oui, voilà. Non, n'écoute pas les communistes. Et puis, j'ai pas eu que ça, faut te dire la vérité, Jacques. C'est que j'ai eu aussi une autre petite histoire avec un jeune paltoquet qui m'en a dit des coquettes aussi, crois-moi. Alors le poker ce soir... Ah ouais, je comprends. Tu sais, si ça peut te rassurer, moi c'est pratiquement pareil. Aujourd'hui, on a fait... On a travaillé, quoi. Un truc bien. Pas un grand truc, mais un truc. Charlot, il a été très bien, là. Il a neutralisé le commissariat de police. Impeccable, Charlot. Puis pendant ce temps-là, moi, la banque. Non, lui, il est tout parfait. 10 briques. Non. 10 briques. J'ai 6 briques de frais. Jacques, mais c'est normal. 10 briques. 4 briques, alors de... Mais écoutez, mes enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est primordial. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice. Et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le tronc. J'ai pas dit une chose. Le capital, tu viens de le dire toi-même, le capital, c'est foutu. Ah oui, ça, c'est fini. Bon, la société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Bon, qu'est-ce que c'est la cinquième? La République, imbécile. Ouais, je peux dire une chose, enfin, on est démodé. Tu comprends? Oh, fasciste! Merci. Mais mes spaghettes, Lorital. Salim! Démodé. Vous êtes complètement démodé. C'est Aldo qui l'a dit. Vous êtes démodé, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous vous acharnez à chercher le fric dans les banques, mais c'est plus là qu'il est le fric. Et vos péripéties pâtissiennes, elles se barrent, hein? Ben c'est normal, parce que toutes les femmes se politisent, hein? Et les putes aussi. Quoi? Elles votent, elles font des congrès, des mouvements de libération, et pourquoi pas? C'est normal. Si tu veux du fric, Lino, aujourd'hui, il faut que tu deviennes trésorier des états généraux de la femme. Voilà. Pourtant, ça me semble clair, non? Al Capone, Spirito et compagnie, ça c'est terminé.
Et 20 ans de retard. Enfin, il n'y a que les spaghettis. Les spaghettis, ça vous aide très fort. Et encore, attention, c'est Aldo qui les fait. Dis-moi, oh, le Ricard. Dis-moi, et qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment, pour pouvoir parler comme ça? Moi? Ouais. En ce moment, je vais plus vous donner la tête. Je fais du tir aux pigeons sur les PDG. C'est d'ailleurs assez marrant, parce que je tire sur des types de droite, je suis payé par l'extrême droite, et c'est pour mouiller l'extrême gauche. Attends, je peux répéter ça, parce que je suis un peu sourd, là. Vas-y. Je dis que je tire sur des types de droite, je suis payé par l'extrême droite, et ça mouille l'extrême gauche. C'est bon? Hein? Oui. La politique, ça y est, c'est vrai aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Non, écoute, bon, la politique, mais dans quel parti? Ah non, au-dessus des partis, au-dessus. C'est là où il y a le fric. Les collectes, les subventions, les syndicats. Tenez, par exemple, moi je touche 2 briques pour blesser un PDG, et ben rien qu'à la CGT, il y a plus de milliards que dans n'importe quelle autre banque. Dis-moi, et si tu le tues, ton PDG? Je te dis que je le blesse. Qu'est-ce que... Je ne tue pas! Je ne tue pas! Jamais! Quoi, la CGT? Oui. Tu sais ce que c'est, la CGT? Non, qu'est-ce que c'est, la CGT? Qu'est-ce que c'est, la CGT? Bon, maintenant, il va falloir commencer depuis le début. Bon, bien sûr, tu peux pas savoir ce que c'est que la CGT. Mmh. Mais, Aldo, la politique, ça s'improvise pas. Il faut prendre des cours. D'ailleurs, faudra prendre des cours. Alors, comme l'avait dit Simon, ils prirent des cours de politique, pour mieux saisir les nuances d'une époque basée sur le chantage et les otages. Là se trouvait désormais l'argent. Les étudiants et les personnalités qui défilèrent pendant 3 jours et 3 nuits pour leur expliquer ce qu'était un gauchiste, un maoïste, un communiste, un fasciste, un anarchiste, etc., ces étudiants et ces personnalités ne pouvaient imaginer que ces hommes sans idéal, fanatisés par aucune cause, pouvaient toutes les servir et à leur seul profit. L'ONU du désordre n'existe pas. L'Organisation mondiale de l'anarchie reste à inventer. Elle sera la fille de la défunte société du crime. 13 février 1972, une page de l'histoire du gangstérisme est en train d'être tournée. L'imagination des voyous va prendre le pouvoir. Staline, né en 1870, mort en 1953. Il a dirigé la République des Soviets après la mort de Lénine en 1924, mais au prix de millions de morts. Imaginez un type qui n'a pas son permis et qui conduit une Ferrari à 300 à l'heure. Ça, il écrase forcément 10 personnes par jour. Staline, c'est pareil, c'est un chauffard de la révolution. Pour Trotsky, le prophète armé, la révolution est permanente. Staline l'a très bien compris. Il l'a même trop bien compris. Il est allé le faire chercher au Mexique pour l'assassiner. Voilà. Et c'est là qu'il a écrasé avec la Ferrari. Ma non è questo che hanno detto ieri. Maldo. Chauffard de la révolution. C'est une métaphore. Ah, je me disais aussi, Staline avec la Ferrari. Voilà, je crois que la dialectique, qui est la base de la pensée politique, la dialectique, c'est comme c'est passer de l'analyse à la synthèse, comment on change de vitesse en automobile. Alors ça, c'est quand même... vous comprenez comment ça se passe. C'est-à-dire que ça permet de passer d'un point de vue analytique sur un point précis à une conclusion générale. Et de faire sans arrêt un aller-retour, sans oublier de regarder comment ça se passe à la base. Mais il y a des vitesses automatiques maintenant. Eh bien, la vitesse automatique, elle a été inventée par Lénine. Bon. Si j'ai fait venir toutes ces personnalités, qui nous ont d'ailleurs coûté très cher, hein, je préfère vous prévenir, eh bien, c'est pour que vous vous rendiez compte des contradictions qu'il y a entre les idées, les systèmes, les théories, les pays. Les drapeaux. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Alors, tu veux dire que tu espères que nous avons bien compris? Parfait, il n'a rien compris. Mais c'est parce que vous avez compris que vous n'avez rien compris, que vous allez rester au-dessus de cette confusion et gagner beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de fric. Notre nouveau champ d'action, d'après moi, c'est d'utiliser les contradictions de tous ces gens qui disent « aimez-vous les uns les autres » et qui tuent les autres. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez? Non, évidemment, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais je vais être plus précis. Bon. J'ai un coup. Mais pour ce coup, il faudra qu'on fusionne.
c'est-à-dire Lino, Jacques et moi, avec votre permission. Mais tu peux pas le dire plus tôt que ah non, non, mais cette tu... mayonnaise, là. Non, attends. C'est un truc dans le show business. Tu n'as encore jamais fait dans le show business. L'aventure, c'est l'aventure, l'aventure, c'est l'aventure, elle est là qui vous attend un soir. Pas de pitié, il est trop tard, il faut gagner et oublier. L'aventure. Fantastique, c'est l'aventure. Érotique, c'est l'aventure. Allora, politique, la smetti? Johnny, un autographe, s'il te plaît. Pour Janine. C'est Janine. Janine, c'est sa sœur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Un grand titre dans l'actualité de ce matin, Johnny Hallyday. Depuis hier soir, on était sans nouvelles du chanteur. On sait maintenant qu'il s'agit d'un enlèvement, mais oui, l'enlèvement sans doute le plus incroyable de ces dernières années. Bien entendu, comme nous, vous vous posez un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi Johnny Hallyday? S'agit-il d'un rapt politique ou d'un enlèvement classique? Formidable, ça démarre très bien. Porte rançon de la part des ravisseurs. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Dans l'entourage de la police, voilà. J'ai jamais vu des titres pareils depuis la mort du général. Quel général? Bugeaud. Tiens, Johnny. Ou à l'étranger. Quant aux fans de Johnny Hallyday, ils seront bien sûr très... Le monde. Les fans de Johnny ont juré de le retrouver. Ils vont te retrouver. Ici. Laure, pourquoi Johnny? Pourquoi? Pourquoi Johnny? Ben oui, pourquoi? Combat Johnny Hallyday, rapt politique. Formidable. Formidable. Vous parlez pas de Nord. Et au porteur. Oh, papa, porteur avec un S. On est cinq. Vu Johnny, avec une publicité comme celle-là, t'es reparti pour 10 ans. Et 10 ans, je suis modeste. C'est plus facile qu'une banque. Ouais, c'est sûr. À qui je le donne?
C'est pas donné votre truc. Non, mais si tu avais fait un lancement classique, ça aurait coûté 10 fois plus cher. Et t'aurais pas eu les premières pages et le journal télévisé. Alors, c'est bon la reconversion? Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, il me faut un peu de temps. Il y a des méthodes que je connais pas. Puis je commence à me faire vieux. Cela dit, il est vraisemblable que c'est la solution d'avenir. Monsieur Georges, ne quittez pas, je vous passe Monsieur Bellet. Monsieur? Inspecteur Lamotte. Inspecteur Dufour, mademoiselle. Vous désirez? Parlez à monsieur d'un sujet, hein? Vous avez un rendez-vous? Non. Vous dites-lui que c'est personnel et urgent. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Deux policiers? À quel sujet? C'est personnel. Oui? La grande porte au fond du couloir. Monsieur? Avancez, monsieur. De quoi s'agit-il? Inspecteur Lamotte. Inspecteur Dufour, monsieur. Nous sommes désolés de vous déranger, nous savons que vous avez beaucoup de travail. Mais voilà, nous avons arrêté cet individu qui a commis un certain nombre de vols cette nuit avenue Foch. Il est passé chez vous également. Nous voudrions connaître l'ampleur. Chez moi? Du vol. Oui, il est passé chez vous. Écoutez, j'ai rien pu constater jusqu'à maintenant. Ah, si, si, nous sommes certains, monsieur. Ah, sûrement pas. C'est passé ici, non? Oui, oui, oui. Le coffre. Le coffre? Le coffre, monsieur. Non, écoutez, il y a 5 minutes, j'ai ouvert le coffre, tout est en parfait ordre. Écoutez, peut-être bien, mais enfin, c'est plus prudent de vérifier quand même. C'est pour votre sécurité, pour notre sécurité, comme ça on est sûr. Puis on se trompe si facilement. Veuillez bien vérifier, ce serait très gentil. Ah, si vous voulez, évidemment, on va vérifier. Bon, on est désolé de vous déranger, de prendre votre temps, vous savez, mais. Non, non, si vous voulez. Deux vérifications, c'est oui, valent mieux qu'une, n'est-ce pas? Voilà. Souvent, on croit avoir tout vu ou bien vu, et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas bien vu. Ah, voilà. Oui, rien ne manque. Tenez, asseyez-vous. Ah non, rien ne manque. Soyez gentil. Mais asseyez-vous, asseyez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? On va vous expliquer, monsieur. Voilà, vous allez mettre vos mains sur la tête. Voilà, gentiment, et vous regardez par là. Par là. Ici. Voilà. Tu vois, Jacques, je crois qu'il avait raison, on n'a rien volé, non? Non, il avait tout à fait raison. Non, ça... Vous aviez raison, monsieur. Eh. Là, il a déjà un tout petit peu moins raison, quoi. Mais, non. Juste par là, monsieur, par là, je vous ai dit, par là. Voilà, comme ça. Oh là! Oh, ça, c'est pas bien, monsieur. Là-bas, j'ai dit. File-lui un coup sur la tronche. Puis c'est pas là qu'il faut la mettre, monsieur, si vous en aviez besoin, voyons. Voilà. Oh, Lino. Oui. Un coup sur la tronche. Chut, monsieur est très gentil. Il est très poli. Il est bien élevé. Ah, ouais. Ça, il est bien élevé. Mais il a du blé, hein? Ça fait plaisir, quand même, tu sais, d'avoir affaire de temps en temps à des gens. Ça, je vous le dis, monsieur. Parfaite éducation. Levez-vous, monsieur. Et vous allez au bout, là-bas, voyez-vous? Là-bas. Au bout. Et vous vous mettez à genoux, maintenant. Voilà. Vous ne bougez pas. Merci. Il y en a encore, là. En bas. En bas, là. Ah, oui, tiens. Oh. C'est bête, hein, j'allais oublier ça. L'avion pourra se mettre, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes en retard. On n'avez pas de chance, il est au décollage. Hein? Il est au décollage. Ouais, il va débarrer d'un instant à l'autre. Comme il est parti. Il est quand, le prochain avion pour Ascension? Pas avant-demain. Pas avant-demain. Et c'est parti, toi? Et c'est parti, toi? C'est parti. Bien, excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais c'est au sujet du vol AS-262 pour Ascension. Voyez-vous, j'ai appris de manière tout à fait fortuite qu'il y avait une bombe à bord, dans la soute arrière. Non, je tenais à vous le signaler. Non, monsieur, je ne peux pas vous donner mon nom. Je suis commandant de bord et... Comprenez-moi. Non, écoutez, monsieur, soyons raisonnables, voyons. Je ne peux pas vous dire mon nom. Non, monsieur. Je vous préviens, c'est déjà pas mal. Oui, monsieur, une bombe. Oui, une bombe. Une bombe. B. Ben non, B. B, comme Bobo. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez raté l'avion d'Assumption? Oui. Oui, vous avez de la chance. Il revient à l'air de départ parce qu'il y a eu un petit incident technique. Ah bon? Vous n'avez pas me donné vos billets? Oui, mais il est revenu. Tu crois que c'est prudent, toi, l'incident technique? J'en faites pas, c'est une simple vérification. C'est pas grave. Aucun problème. Non, vous avez de la chance. Ah, il y a de la chance. Vous pouvez me donner vos bagages? Aldo. Si elle est avec nous, hein? On a de la chance. Quand c'est écrit, mon vieux. Qu'est-ce qu'il a grossi, Aldo? Hein? Qu'est-ce qu'il a grossi, Aldo? Oh, non. Oh,
là. Avanti, metti questo sotto il braccio. Là. E figlia guarda. Andiamo. Hai riservato l'appartamento? Come? L'appartamento l'hai riservato? Sì. Col bagno? Come? L'appartamento col bagno? Dove vai? Stai dietro a me. Stai dietro a me. Chi è un padrone? Sì, non bacio. Che guardi? Niente. Dammi una sigaretta. Eh? Dammi una sigaretta. Spicciati. Mettila in bocca. Andiamo. Sì. Se ne fermiamo. Dammi l'occhiale. Eh? Dammi gli occhiali da solo. Cretino ignorante, stai a due metri di lontananza quando stai dietro a me. Se no ti mando a Sicilia, ti mando. Andiamo. Pezzo di ignorante. Ma sei proprio cretino, sei? Andiamo. Ma che guardi? Ai, ai, ai. Ma che guardi? Niente. Cretino, ma che guardi? Le donne? Ai, 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 Don Maccio. Pure lavori per me, guardi pure le donne. No, Don Maccio. Ma come, guardi le donne? Don Maccio, ai, ai, ai. Ai, ai, che? Gli faccio i spaghetti. Mi fai gli spaghetti? Sì. Come? Come vuole. Ai, ai, ai. Ai, ai, a che? Don Maccione. Don Maccione mi chiama, andiamo. Aldo! Levi tu a un arrivo, buonasera. Eh? Qu'est-ce que t'as regardé comme ça? Rien. Vero? Oh, n'oubliez pas que Juarez, moi je le connais, hein. Il m'a assuré que l'ambassadeur, c'est un grand humaniste. C'est un garçon charmant, on n'aura aucun problème avec. Un peu de café, Aldo. J'ai pas de café. Comment il n'y a pas de café? Je ne vais pas m'emmener. Et pourquoi? Et pourquoi une autre fois? Oh, Lino, la crème à bronzer. La crème à bronzer? Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta crème à bronzer, toi? Tu veux pas un bain de mousse aussi, non? Ah, ça, je te le dis, mets-toi ta chemise. De la crème à bronzer. Commis. Bon, dis donc, Simon, écoute-moi bien. Le pique-nique, c'est bien joli, mais moi, j'en ai jusque-là. Moi aussi. Bon, bah alors, ça tombe bien, parce que je vais te dire un truc. Si demain, il n'y a rien, on plie et on rentre. Il y aura, et avant demain. Et quel âge est là, ta femme? Elle a 25 ou 26 ans. Combien? 25 ou 26? 26. Eh ben dis-le, 26. 26. Tu t'emmerdes pas, hein? C'est elle qu'on avait dû enlever. Qui? Sa femme? Bien sûr. Des enfants? Oui, j'ai une fille et un garçon. Et combien tu gagnes par mois? Mais quoi, ça peut être intéressant. Combien tu gagnes par mois? 1 500 000 pesos. Combien? 1 500 000 pesos. Combien ça fait en dollars? En dollars, tu divises par 4 et tu enlèves. Quoi, du pesos? Okay. En 4? Ça fait. 4 000 dollars. Combien? 4 000 dollars. Oh putain, il gagne plus que moi. Et beaucoup plus que moi. Mais je suis nourri et logé. Olvidado, s'appelle Manu. Bye bye. Olvidado, s'appelle Manu. Manu, vous m'entendez? Allô? Allô? Ici Manu, Mike, Alpha, Novembre, Whisky, Oscar, Oscar. Je vous reçois 5 sur 5, j'écoute. Hey. Allô? Ici Manu, Mike, Alpha, Novembre, Whisky, je vous écoute. Ce bouton-là. Olvidado s'appelle Manu. Vous m'entendez, Manu? 5 sur 5. Le gouvernement est persuadé que l'ambassadeur a déjà été tué.
refuse l'échange avec les 30 prisonniers. Faites parvenir d'urgence la preuve qui est toujours vivante. Si à minuit, l'ultimatum est refusé, exécutez l'otage. Terminé. Assis. Terminé. Assis-toi. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire. À minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bon, écoute, de toute façon, il y a une chose, hein. Écoute-moi bien, si. Je veux absolument leur donner la preuve qu'il est vivant. Ça, j'y tiens. Ben, on a la preuve, on va le photographier. Quoi, on va le photographier? On va le photographier, c'est ce qu'on avait prévu. Ah, parce que tu t'imagines qu'avec une photo, ça va marcher, toi? Oui. Et tu l'envoies comment, la photo? Et le mulet? Il y a le mulet. Tenez, monsieur, venez avec moi. Vous allez vous mettre là, là c'est bien là, hein, s'il vous plaît, vous bougez pas, hein, voilà. Aldo. Oui. Mets-moi mes lunettes. Tiens. Ne bougez pas, monsieur. Tiens, là. Oh, papa, mets ta veste. T'as pas l'air d'un ambassadeur comme ça. Mets tes lunettes. Bon, Charles, s'il te plaît. Attends, il a pas l'air d'un ambassadeur, son veste. Oui. Allez, ça y est, vite, dépêchons. Voilà, merci, voilà. La crème à raser, oui, on l'a d'accord, pas Charles, hein. Allez, fous le camp. Oui, mais écoutez, monsieur, soyez gentil, aidez-moi, souriez un peu, hein, souriez. Souriez, d'autant que le rire est le propre de l'homme. Mais c'est pas toi, sa phrase. Hein? Non, mais ça fait plaisir d'entendre, Aldo, ça. Le mulet, c'est barré. Qui est-ce qui a attaché le mulet en dernier? Moi, je l'ai vu pour là, le mulet. Oh, ben, pas de mulet, pas de photo. Voilà. Non, Jacques, écoute, c'est pas possible, hein. Bon. Voilà, ne bougez pas, monsieur. Attendez. Montez-moi, oui. Lino. Bon, je suis pas là. Lino, je voudrais pas insister, Lino, mais... Les ruines, là, elles sont connues, hein. Même par les flics de troisième catégorie. Si tu veux qu'on se fasse repérer, prends la photo ici. Hein? Tous en groupe, avec les empreintes digitales. Prends la photo ici. Évidemment, il n'a pas souri. Bon, mais moi, je propose celle-là. Hein. C'est la moins tarte. Oui, c'est bien. Allez, ça vous convient, celle-là? Ça, j'ai pas le choix. Écrivez. Je sous-signe. Armand Hébert, ambassadeur de Suisse. Herzberg, ambassadeur de Suisse. Ce 19 novembre, à 16h... Pas si vite, hein. Être toujours vivant. Souligner toujours vivant. C'est bien, l'idée de souligner. Il y a toujours pas de mulet, hein? Viens là, Mulet, viens! Es-tu là? Oui, viens! Je viens d'apprendre à l'instant que mon mari est encore en vie. Je n'ose pas le croire. Et je suis très heureuse. Maintenant, je m'adresse à monsieur le ravisseur. Je vous supplie de rendre mon mari le plus vite possible. Je vous le demande sur le nom de mes deux enfants, Sylvie et Patrick, qui... N'arrête pas de me demander après lui. À minuit, votre ultimatum va expirer et je vous assure, I promise you, que si vous me le rendez, vous serez libre. I promise you be free. T'es vraiment une dégueulasse, quand même. Suisse libre!
Olvidado s'appelle Manu. Olvidado s'appelle Manu. Ici Mike, Alpha Novembre, Whisky Oscar 2 fois, j'écoute. Prisonnier, relâchez, libérez l'otage. Terminé. Vas-y. Ça va. Merci. Oh, vous, merci. Ah non, mais vous êtes fous, non? Vous n'avez pas entendu, ils vont libérer les prisonniers. Jacques. Si, j'ai entendu. Tu sais? Alors? J'ai pas joué, moi. Ah non, mais vous n'avez pas le droit. Non. Vive la Suisse libre! Oui. 5 000 $, hé! Ça fait combien, ça, en présence? Ah, merci. Je vais la revanche tout de suite, moi, hein. Lino. Merci. Non, la revanche tout de suite, hein. Ah, non, écoutez, ça va comme ça, hein, maintenant. Sim. Lou! Les darlings! Mais je voudrais voir les enfants, sont-ils? Je vous attends à la maison. Merci. Merci d'être venu comme ça. Pas de moi. Je m'élève au nom de la Convention de Genève. Je m'élève contre une telle pratique, contre un tel scandale, parce que moi, personnellement. Hein? Oui. Hein? Bien, ils étaient 5, n'est-ce pas? Ils étaient 5 des individus vraiment de bas étage, enfin des minus, ils parlaient le français, mais c'était vraiment des hommes de Cro-Magnon, des abrutis, des pauvres types. Il y en avait un, n'est-ce pas, qui était le gros, qui mangeait tout le temps des spaghettis, qui était complètement bigleux, qui avait moins une quinzaine de paires de lunettes, n'est-ce pas, qui était incapable malgré ça de faire une photo qui n'était pas de travers. Ils étaient des tordus, complètement tordus. En tout cas, le deuxième, n'est-ce pas, était un grand fanatique. sans arrêt jouer ma vie, n'est-ce pas, au poker, et qui était en plus de ça complètement sourdingue. Et puis alors il y avait le frisé, n'est-ce pas, obsédé par les mulets, il y avait l'autre, le petit, qui était complètement con, n'est-ce pas, excusez-moi. Il avançait constamment sans la valeur, n'est-ce pas, comme un objet sexuel. Et puis alors il y avait en plus de ça le dernier, qui était complètement fada, complètement à poil, n'est-ce pas, qui avait un revolver là, sous les selles, et qui était complètement. Il était tatoué d'ailleurs, il était tatoué, oui, il avait une espèce de sac d'armes. Je ne sais pas, ça devait être une espèce de bande d'organisation internationale de voyous, n'est-ce pas, de minus à bains, enfin de type. Même moi j'étais dans la planète Mars. C'était l'enfer, c'était une mafia, c'était une espèce de bande de whisky, des whisky. À votre avis, pourquoi vous ont-ils choisi? Comment? Pourquoi vous ont-ils choisi? Mais je ne sais pas, sans doute parce que je suis. Parce que nous sommes innocents, nous sommes beaux, nous sommes suisses, nous sommes neutres, nous sommes du lac des Quatre Cantons et que. Votre gouvernement vient ici de représailles. J'espère bien, et j'espère demander, n'est-ce pas, la confiscation de ces individus. Elle a dit que j'étais gros. Et moi, je suis obsédé par le mulet. C'est un PD. C'est sûrement un PD. La façon dont il nous a roulé des galoches hier soir. Il n'y a que les pédés pour faire ça comme ça, un mec normal. Quoi, il est obsédé par un mulet. C'est vrai que je suis peut-être un petit peu enveloppé, d'accord, mais je suis pas gros. Non, je suis pas gros. T'es pas enveloppé, Lido. T'es plus qu'enveloppé, quoi. Quoi, mais il est pas gros. Bon, ouais, là, vous pissez en bégayant ou quoi? Voilà, c'est fini. Bon, allez, oh, on y va. Voilà. Hein. Allez, Do est enveloppé. Tu as raison, Lino, tu es pas gros. Tu es svelte, tu es mince. Jacques, si on trouve le Suisse, c'est pas la roulette russe, hein. C'est plus moi, c'est vous. Peut-être, général. Mais enfin, il y a une chose qui me semble urgente de préciser, c'est que vous, c'est la révolution, n'est-ce pas? D'une part, vous, c'est vous. Mais nous, c'est nous. C'est autre chose. Le peuple voit en vous maintenant le libérateur de l'Amérique latine. Il faut bien vous mettre dans la tête que nous, on veut rien libérer du tout. Et on n'est pas au service du peuple. J'ai des projets pour vous, des grands projets. Détournement de Du Bois, enlèvement d'un attaché culturel. Un petit moment, général, un petit moment.
Simon, tu nous as bien dit qu'on venait ici pour chercher l'argent. Ça, absolument. Alors, général, on a fait le coup, maintenant, les 200 000 dollars. Jacques, nous sommes entre gentlemen. Monsieur Ernesto est un homme d'honneur. Alors, un peu de patience, tu t'assieds dans le cas. Assieds-toi, Jacques. Vous nous avez engagé pour faire un travail. Ce travail, on l'a fait, et proprement. On a donc rempli nos engagements. Alors maintenant, c'est à vous de remplir les vôtres. C'est très simple. Vous nous payez, et on s'en va. Et c'est fini. Oui. Maintenant, si vous voulez faire d'autres affaires avec nous plus tard, vos Boeing, les Miss, mais nous, on est d'accord. Mais comme vient de le dire mon ami, d'abord, on règle cette affaire-là, et tout de suite. Oui, et en liquide, ça nous arrangerait. Il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Je vous croyais marxiste. Oui, tendance Groucho. Et une fois que vous m'aurez payé, je suis même disposé à devenir marxiste-léniniste. Non, merci. Non, vous avez pas un peu de crème à bronzer? Alors, monsieur, vous le payez comment? Chèque, liquide? C'est vrai que j'ai pas d'argent liquide maintenant, mais... Désolé, général, on va être obligé de se fâcher. Non, 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 voilà. Alors, j'ai une proposition à faire. Non. Tu sais pas ce que je vais dire. Je propose 100 000 dollars en liquide maintenant et dans 15 jours, le reste. Non, ça non, vous... non, si, si, non, ça non, permettra non, qu'il face Simon, à ces je sais que t'as l'habitude de schématiser, c'est pas possible. Je suis navré, cher monsieur, mais vous allez payer tout de suite. Oui, bah oui, tout de suite, alors. Gentlemen, ça va me forcer de vous faire arrêter et juger devant mon tribunal révolutionnaire. Jamais engagé si j'avais su qui vous étiez. Fallait pas travailler avec les petites annonces. Pourquoi n'aviez pas vous continué dans le show business? Parce qu'on n'avait pas assez d'oreilles. Vous vous trompez de camp. L'histoire est avec nous. Oui. Ça, l'histoire nous le dira. Pourtant, j'ai besoin des hommes comme vous. Tout travail mérite salaire. Curieux qu'un marxiste comme vous comprenne pas ça. Vous donnez pas l'exemple, vous. C'est pour ça que nous luttons. Parce que nous n'avons rien. Si la Commune de Paris a échoué en 1871, c'est parce que les communards n'ont pas osé s'attaquer à la Banque de France. Là-dessus, tous les historiens sont formels. Si tu voulais tirer pour moi, Simon, je te paierais très cher. Ah, tu me paierais très cher. Comme pour l'ambassadeur? Vous êtes vraiment tous des petits voyous. Il faut vous tuer tous avant de pouvoir faire une vraie révolution. T'as raison, rien ne va plus. Aujourd'hui, le gagnant, c'est pas l'homme fort, intelligent, mais le petit combinard, celui qui sait manier le chantage comme une Winchester, et surtout la confusion dans la clarté. Arrivé, il voulait m'acheter. Pas cher, j'espère. Il dit que la révolution a pas d'argent. On va lui montrer comment on peut gagner beaucoup d'argent avec quelques coups de téléphone bien ouais, pressés. Oh. Écoutez, monsieur, c'est pourtant simple. Avec les arriérés, ça fera 300 000 dollars. 200 000 dollars pour l'ambassadeur et 100 000 dollars pour Juarez. Vous dites 200 000 dollars pour l'ambassadeur et 100 000 dollars pour Juarez? Oui, monsieur, 300 000 dollars pour deux enlèvements. Vraiment, vous faites une bonne affaire. Just a minute. Okay.
Oui, je vais arrêter, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. La petite maison là-haut. Je vois personne. Une petite seconde. Allô, Charlot. Charlot, tu m'écoutes? Ouais, fais sortir Ernesto. Bien compris. Dis-lui de dire bonjour. Encore. Voilà, ça suffit, tu peux le rentrer maintenant. Bien compris. Vu? Alors l'argent maintenant. Allons-y. Et si je ne le donnais pas l'argent? Écoutez, jeune homme, Juarez, vous êtes venu le chercher vivant, alors. Une toute petite seconde, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allô, Charlot, c'est parti! Where's Juarez? In the little house on the top. I don't see anybody. Charlot? J'écoute, Jack. Tu peux sortir Ernesto, là? Oui. Dis-lui de dire bonjour. Encore une fois. Ok. Dolores. Y si no le damos el dinero. ¿Usted quiere Juarez vivo, muerto? Alors. Bueno. Un momento. Sí, gracias. Pour les posters. Ça fait rien, Lino va faire des dizaines. Allez. Jacques. Hé, hey, ça y est. Oh, bah merde. Alors? Ah, c'est pas inintéressant, hein. Ah oui? Ouais. C'est quand même pas mal, la politique, hein. Ouais. Je me demandais toujours pourquoi tellement de gens en faisaient, tu vois. Je commence à comprendre. Hé, ils ont payé. Ah oui, hein? Et ça, c'est du moutre-vos, hein? Eh ben, vous aussi. Il y a un grand frisé qu'on veut, là, hein? Oui, il commence à y avoir des petits problèmes là-haut. Hé, regarde les ricains. Bon, ben, je parie. 1 000 $ que les ricains arrivent le premier là-haut. 2 000. Ouais, 3 000 pour les ricains. 3 si tu veux. 3 000, je dis 3. Je tiens. Je reprends 3. Tiens. 3 sont les ricains aussi. 3. Pourquoi sont les ricains, toi? Parce que les miens ont pas assez de style. 3. Je dis 5. Je dis 5 sans parole sur les ricains, sur les capitalistes. Alors moi, je vous dis un truc. Ils sont pas beaux, les miens, pour l'instant, mais il y a le grand frisé, là. Garde-le. Garde-le. Je vous fais 10. 10 sur les marxistes. Ouais. Je dis 12 sur le capital, 12 sans parole sur le 15, capital. 15 sur les ricains. 15 sans parole, 15 sans parole sur le capital. 15 tous les deux. Alors écoutez, hé, hey, les gars, je vous fais une fleur. 30 le tout, j'emballe le tout, moi. 30. Ça va? 30. D'accord? 30 sur le... Bon Dieu. Oh, les cons. Oh, non. Ah, bah, tu vois. 30 sacs, disons. La prochaine guerre, ça va être comme ça, tu vois. Tiens. Tout va péter. Tu en sauras jamais qui a gagné, hein. Tu sais, Jacques, hein. Bah, je vais te dire un truc. Tiens, Jacques. Ernesto, je l'aimais bien, moi. Tous ceux qu'on a rencontrés, bah, c'était le meilleur. Ouais, il faut que les gens meurent pour qu'on leur trouve des qualités. Non, non, puis je vais te dire un truc en plus. Toujours comme ça. Hein, il avait une bonne mentalité, ce gars-là. Ouais. Ouais. Alors, ça vient, oui ou quoi? L'argent, l'argent, Lino, l'argent. Il est là, l'argent. On arrive, Lino. Pourquoi tu veux déguiser comme ça, toi? Allez, allez, allez. Allez, hop, allez, hop. My client. My client. My client. 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 Would like to see the president of your company, Mr. John Davis. John Davis. John Davis. Mais non, pas John. John Davis. John Davis. Dis-moi,
moi, Charlot. T'es sûr que tu parles anglais? Ah oui, parfaitement. Et tu l'as appris où, l'anglais? Au lycée. Ah, parce que t'as été au lycée, toi? Jusqu'en huitième. Continue. In a few minutes, I am sure we will see us if we even want badly to see us. Arrête, ça va. C'est bien? Très bien. Très bien. Tiens, je crois que ça. Il faudrait que ce soit toi qui le garde. Aldo, il parle pas anglais, mais lui, au moins, il a un bon accent. Dis donc, on dit Paris, mais hein, New York, pour rouler, c'est pareil. Hein. Je suis bilingue en anglais. Bilingue. Je parle parfaitement. Est-ce qu'on peut prendre ce qu'on veut, mademoiselle? Mmh. Vous êtes très chaleureuse. Votre petite jupette, là, ça vous sert bien, ça vous fait. Merci bien. Alors, mademoiselle, vous n'auriez pas un petit illustré? Merci. My client would like to see the president. Tu répètes trop, tu vas t'embrouiller, Charlot. Of your company, Mr. John Davis. 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 Madame. Sir. My client would like to see the president of your company, Mr. John Davis. See the secretary in number 7, corridor H. Number 7, corridor H. The big boss. I beg your pardon. John Davis, we want to talk. May I have your names, please? Names? Smith and Wesson. Do you have an appointment? Appointment. No. In that case, I'm afraid you can't see him. You can't see him. No. Non, mais... Une seconde, madame. Bilingue, hein? Alors, on est resté à la... I am sure he will us in a few minutes. He will want to see us badly, just tell him, Smith and Wesson. Just a minute, gentlemen. Sit down, please. Sit down. Je vais comprendre quelque chose, Charlotte. Prochain coup, ça fera parler anglais. On verra Jacques Aldo. Ça a bien marché, non? Alors, très bien. On va voir tout à l'heure. Oh, c'est des belles gonzesses, hein? I'm afraid it's impossible. You can't see him. Not before 8 days. You understand? 8 days. A week. You can't see him before a week. I'm sorry. It is. Il n'y a ni 8 days, ni week. Do you understand? Yes, yes. Dit que tout était marqué. Yes. Ni 8 days, ni week. Non, laisse-moi faire. Maybe white. You can't see him. I told you. Yes,
Maybe wait. If you like. Thank you. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que si on pouvait attendre. T'es sûr que c'est ça que tu lui as dit? Ah oui, je suis sûr. La preuve, on attend. Très bien. Ça va, le dialure? Dialure. Le dialure, ça va, le reste. C'est vrai, vous savez que vous êtes très chaleureuse. Ah, oh, bonsoir. Ça triste, c'est. Autant voir c'est gai, il y a des mouvements, il y a des gens. Mais c'est triste. Oh, c'est pas très gai ici. Vous voulez boire quelque chose? De champagne. Oui, je vais vous servir. Je gagne 71 000 francs par mois. Oh, c'est intéressant. Belge. Oh, vous êtes belge? Je m'occupe de tir et de bite. Vous vous occupez de quoi? Terre et bête, enfin, ah, je suis agricole, quoi. Agriculteur. Je voudrais 5 verres. 5 verres, le chef. Vous allez boire 5 verres, vous 5 verres, c'est une petite fête. Où ça que sont là, les gens qui pilotent la ville? Les pilotes? Ouais. Là-bas. Ils sont là-bas. On peut pas aller voir, là-dedans. Ah non, 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 non. Depuis les détournements, on visite plus la cabine. Le 5e verre. Ouais, oui, c'est mieux, c'est plus prudent, Edo. Avec tous ces imbéciles. On ne sait pas ce qui peut se passer. Oui. Voilà. Voilà. Alors c'est là-bas au bout, Edo. Oui. Et s'ennuie pas. Où est-ce qu'on les descend, les verres? Je vais vous montrer, venez, Edo. Il faut faire attention, parce qu'avec le détournement de champagne, Edo. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Un passager va nous offrir le champagne. Bonsoir, commandant. Oh, I see. Hijacking. Merci beaucoup, vous avez été très gentil. Surtout, ne vous affolez pas. Nous avons l'habitude. Nous aussi. Altitude? 8000. Parfait. Vous montez à 12000. Vous mettez en virage par la gauche sans interruption. Puis vous contactez le président de la compagnie d'assurance de ce Boeing 747, John Lewis. Vous lui dites qu'il a un rendez-vous très important avec messieurs Smith et Wesson. Smith et Wesson? Non. Wesson et Smith. Follow me, please. And now? Don't disturb. Oh, Charles. Mais vous parlez français, monsieur. Ah, formidable. En château. Ouais. Alors voilà, monsieur. Nous venons d'apprendre par nos services, n'est-ce pas, qu'un des appareils que vous assurez, en l'occurrence un 747, vient d'être détourné par des pirates de l'air. Or, il se trouve, que, par le plus grand des hasards, que nous sommes des spécialistes dans le sauvetage de ces appareils. How much? Combien? De quoi? 2 millions. De quoi? Ah, 2 dollars, monsieur. 2 million dollars? 10%, monsieur. Mais 10% de quoi, monsieur? Mais du prix de l'appareil, monsieur. Oui, imaginez que les pirates de l'air aient la malencontreuse idée de faire exploser l'appareil. C'est 20 millions que vous devriez rembourser à la compagnie. Et ces 2 millions de dollars, vous les voulez en billets de banque? Bien entendu, monsieur. Et bien entendu tout de suite. Ah oui, ça va. Et où voulez-vous que je les trouve, les 2 millions de dollars, cette fois-ci? Monsieur, ceci est votre problème, n'est-ce pas? L'assureur, c'est vous. C'est une dame que j'avais à côté de moi. Et puis alors, elle n'arrêtait pas de me bassiner, elle me demandait mais comment est-ce qu'ils font pour voler la nuit, pour pas se perdre? Alors j'ai dit, on va demander au capitaine. Au capitaine, le commandant de bord, n'est-ce pas? Alors, il nous a dit, enfin, il a dit à la dame, parce que moi je savais, il a dit, vous voyez la petite lumière verte sur, au bout de l'aile gauche? Elle a dit, oui, je la vois. Bon. Ensuite, il a dit, vous voyez la petite lumière rouge sur l'aile droite? Elle a dit, oui. Elle a dit, ben nous, on vole juste au milieu, comme ça on peut pas se perdre. Supposons que j'accepte. Oh, mais alors dans ce cas, monsieur, tout est prévu, rassurez-vous, n'est-ce pas? Dans une heure d'ici, si toutefois nous ne sommes pas suivis, bien sûr. Nous allons vous téléphoner un petit mot de passe que vous transmettrez à votre commandant de bord et l'avion
fera dodo ce soir à New York, gentiment. Le striptease de Ginette est moins bien que celui de Julie. Parfait. Eh bien, commandant, soyez gentil, vous coupez votre radio. Sans rien dire à personne, vous allez vous débarquer à Montréal. Et puis, si vous en avez envie, vous irez faire dodo à New York. Solo, Mike, proceeding normal route. Roger, over to you. Qu'est-ce qu'on a comme argent? Oui. On est riche, tu sais. Oui. On est riche, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, de tomber? Mais non, mais si je pense que j'étais un voleur de bagnole et maintenant j'ai des milliards. Je ne sais pas combien de milliards. Millions. Je n'ai peut-être pas le physique, mais j'ai le droit de rêver d'avoir une espèce d'élévation de pensée par moment. C'est moi. J'aime toujours les femmes de les autres. Ouais. Toujours. Et pour larguer, comment tu fais? Larguer? Ouais. Je largue tout de suite. Donc là, tu dis, allez, cassez-vous, ils s'en vont. Moi, une fois, c'est tout. Je ne peux pas tomber amoureuse, moi. Ouais. Je ne peux pas tomber amoureuse, moi. Tu sais qu'est-ce que ça coûte une fille? Tu sais qu'est-ce que ça coûte une fille? Mais maintenant, on a du blé, con. Ah, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Puis tu te concentres bien. Voilà. Et après? Des avantages et blancs. Pas de courtoisie, Lino. 117 à la manque. 21, passe. Bon, messieurs, un peu de courtoisie, sinon je vais être obligé d'interrompre le match. 11. Quelque chose sur toi? Un petit 38. Pourquoi? Qu'on m'a renfermé. Ici? La caisse du casino. Elle s'en va dans 10 minutes. Il y a un chauffeur et un gars. On rigole un peu? Oui. Tous les deux? Marc, on pourrait faire rigoler l'autre branque aussi. Marche, Simon. Chasser le naturel, il revient au galop. Le 13 et les chevaux. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, mes cours de recyclage, ça a servi à rien. Vous allez nous foutre les vacances en l'air pour 10 misérables petites briques. Braqueur à la manque. Simon, c'est pas pour 10 briques. C'est pour qu'on se marre un peu, qu'on rigole, quoi. Histoire de tuer le temps, Simon. Pas rester sans rien faire, vous ne savez pas rien faire, mais vous remettez en cause la civilisation des loisirs. Parce que tu t'amuses, toi. Vous remettez en cause la civilisation des loisirs. Mais regardez Aldo et Charlot, eux, ils savent. Elle est caressée à mademoiselle? Qu'est-ce que tu casino qui se barre dans 10 minutes? On se le fait tous les deux? Ma va fan cool, on est en vacances, holiday, et laisse-moi draguer la fille. Bien sûr, mon Dieu, comme ça on va draguer tous les cinq, non? Mets-toi bien ici, viens ici. Regarde-le. Mets la jambette là. Regarde-le. C'est Paris-Strasbourg à la marche. Ça, c'est marché. Tu vois? Regarde-le. Viens-toi aussi, viens. Bon, j'ai essayé. Hier soir, tu marchais pas comme ça. Mais oui, je marchais toujours comme ça pour mes filles. Tu sais pas le mouvement que tu fais. Simon. Non, pas comme ça, Simon. Non, pas comme ça, Simon. Comme ça, mets la jambe comme ça. Plus souple. Ah, Simon, c'est pas croyable, écoute. Arrête. Viens. Tu sais que t'es bon comme ça. C'est formidable, ça, c'est la façon de draguer les filles. Allez, Charlot. Regarde Charlot. Fais du vélo. Ça, c'est le style. Ça, mais c'est la classe, non, mais c'est pas comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Mais c'est moi qui lui ai appris, je vais vous montrer. Allez, regardez. C'est un truc italien, ça. Oui, c'est un truc italien. Mais pas comme ça. Vas-y, fais-moi comment. Comme ça. Mou. Non. Écoute, Simon, regarde. Regarde, Simon, il est. Simon, regarde. Laisse-toi aller. Là. Tu vas comme ça. Thank you.
Lino, comme tu veux la pâte. Eh, qu'est-ce qu'il a dit? À la tomate. À la tomate, Lino, à la tomate. Un jour sur la mer, il m'envoie. Un jour sur la mer, il m'envoie. Le marinier qui m'y noie. Marie, madame, la somme du bon, madame, Marie, madame, je m'en dis, je m'en. Le marinier. Bon, on est où, là, maintenant? Montre-moi, on est où, là? Là, on est. Là. Voilà. On est là. Bon, et on va où? On va là. Aknanewawa. Il y a un aéroport là. Aknanewawa. Oui. Et un petit terrain. Bon, alors, Anna et machin là, comme tu dis, Aldo, Poupoun et Shkapa, l'avion. Parce que moi, à vos vacances, je te garantis, je n'en veux plus. Oui, mais c'est pas une raison pour descendre à Aknanewawa. Regarde qu'on est devenu. Mais tu veux vraiment, t'en as pas marre? Regarde, et l'eau, mais regarde le lot. Regarde-le, regarde-le comme un malade. Ah non, 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 Paris, 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 la crème à bronzer. Oh, Plaventure. Imbécile. Charlot, Charlot, viens me donner un coup de main. Bon. Qu'est-ce que t'as pêché, une baleine? Oh là 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 Paris, 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 Paris! Waldo! Vite, 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 vite! Vite, vite, vite! Thank you.
Lévy arrivé de loin. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça sent pas. Voilà. Et on est là. Et on sait pas où on va. En tout cas, je suis sûr d'une chose. C'est pas des flics. C'est pas dans leur manière, ça. C'est pas des flics. Oh, 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 oh. Venez, venez manger les pâtes, venez manger les spaghettis, hein? Il a raison. Vous êtes vraiment de tarés tous les deux. Des bêtes. Et puis, combien de fois je te l'ai dit? Combien de fois je te l'ai dit que les filles, c'était tous les emmerdements? Mais combien de fois? Jamais. Vous faites marrer. Taper les gonzesses avec le pognon qu'on a, à quoi ça sert le pognon? Tu sais, Charles, si j'aime les hommes, c'est pas tellement parce que c'est des hommes, mais c'est surtout parce que c'est pas des femmes. Dis donc, tout à l'heure, là, vous deux, vous avez craché sur les femmes. Fermé la porte de la cabane de Juarez l'an dernier. C'est Aldo. Et t'es sûr que t'as fermé? Ah ouais, je suis témoin. Monsieur Ernesto, vous savez que... Jacques, dis-lui toi. Dis-lui ce que je te dis sur lui, là. Dis-lui. Ah oui, il a dit, de tous ceux qu'on avait connus, général, c'est vous qui aviez la plus belle mentalité. Il l'a dit. Et j'ai même ajouté, le plus honnête. Oui, oui. Oui, on l'a dit. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Bien. Vous connaissez le processus. Un, enlèvement. Deux, le rançon. Je vous demanderai que 1 milliard, celui du boy. Vous me donnez votre numéro de compte en Suisse et vous êtes libre. Alors, ce numéro en Suisse. Oh, monsieur Ernesto. Comment vous avez fait pour nous retrouver? En vacances, vous n'êtes pas très discret. Ben, c'est pas très marxiste comme procédé, monsieur Ernesto. Mais vous n'êtes pas des marxistes. Vous êtes des petits voyous. Oh là, oh là, doucement, hein. Oh, doucement, hein. Oh, les noms. T'aurais 1000 dollars qui va parler. 2000 qui parle pas. Je suis dans ta main, Jacques. Alors? Paris, 2000 dollars qui parlera. 3000 qui parle. 5000. Et 20 000 qui portent le port. Je double. Alors, monsieur Simon, ce numéro de compte en Suisse. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Je tire pas aussi bien que vous. Va te faire foutre.
tigre de papier. Un tigre de papier. Quoi? Vous êtes un tigre de papier. Tenue! Mais détends-toi, c'est bidon! Qu'est-ce qu'il a dit? 10 000 dollars, tu parlerais pas. J'achète. Combien? 15 000. Vendu. J'ai gagné. 15 sacs qui parlent. 15 sacs qui parlent. Je vous fais un lot pour tous les 3 à 50, ça va? Ok. Allez, monsieur le bandit. Le numéro en Suisse. Le numéro en Suisse. Je ne me rappelle plus. Nous allons voir. Baisse tes pantalons. Hein? Baisse tes pantalons. Pourquoi je baisse les pantalons? Tu vas voir. Baisse-les. C'est Poupoun. Elle connaît la Suisse, Poupoun. Dis donc, Ernesto, alors j'ai une proposition. Non. UBS Zurich, 9461. Vous demanderez M. Frischtafen. Hugli Frischtafen, il fera le nécessaire. Toi, t'es un humaniste. Ah, il va être surpris, Frischtafen, hein? Ma. Que ma. Ernesto, je peux dire une chose. Statit! Oui. Bah, dis-lui en italien. Ma va fan. C'est bien, Lino. Juarez. Ce type que moi je prenais, enfin pour un type honnête, avec une bonne mentalité. Le dernier des salauds. Je vais vous dire pourquoi. Quand je lui ai donné le numéro du compte qui nous a pris les 2 millions en Suisse, il a pas seulement pris les 2 millions, il nous a tout pompé parce qu'on avait aussi notre pognon avant. Et c'est pas tout. À la police, il nous a balancé. Et vous savez à laquelle? Police française. Ces hommes ne sont pas innocents. Je le sais. Mais ce sont des prophètes. Les innocents ont les mains pleines et la tête légère. Les accusés ont les mains vides. Mais la tête lourde de la menace de mort qui pèse sur eux. Où sont les milliards dont parle l'avocat général? Les accusés ont-ils de somptueuses villas au bord de la mer? Ont-ils des hôtels particuliers à Neuilly? Non, ils ne possèdent rien. Ils ne possèdent rien, car ils luttent précisément contre le système politique basé sur la propriété. N'en déplaise à monsieur l'avocat général, l'agitation croissante à laquelle nous assistons dans le monde entier, les grèves de solidarité, les émeutes prouveraient, s'il en est encore besoin, qu'il s'agit ici d'un procès politique. J'irai même plus loin, du procès de la politique. Oui, messieurs, le véritable accusé n'est pas dans le box. Le véritable accusé, c'est le monde contemporain avec ses mœurs dissolues, ses grenouillages électoraux, ses alliances tactiques et ses guerres non moins tactiques. Ces hommes que l'on veut nous présenter comme des accusés ont simplement tenté de faire sauter un îlot insalubre qui s'appelle politique. Silence! Silence! Maître, vous n'êtes pas ici pour faire le procès du régime. C'est vrai, monsieur le président, les accusés l'ont fait avant moi. Non, je ne voudrais pas schématiser, mais... C'est tellement le procès du régime que la décision va peser très lourd dans la survie de ce régime. Il ne saurait y avoir de doute sur les opinions politiques des accusés. Et s'il en subsistait un, je le lèverais immédiatement par cette révélation. Le milliard du Boeing détourné
a été intégralement et spontanément versé à Ernesto Juarez pour que la révolution triomphe en Amérique du Sud. Je présume que la défense a une preuve à produire. Mais certainement, monsieur l'avocat général. 1 milliard. Transféré en Suisse du compte anonyme UBF Zurich 9461 au compte non moins anonyme 26578 ZK. Supposez qu'il s'évade. Mais qu'est-ce que vous dites? Oui, s'il s'évade, vous sauvez la face en restant sur vos positions. L'agitation n'aura plus de raison de s'agiter. Et vous vous débarrassez de personnages bien encombrants. Une évasion, moi je veux bien. Mais il faudrait prendre des sanctions contre les responsables. J'en assumerai, bien entendu, toute la responsabilité. Accusé, levez-vous. Bonne panique! Allons, messieurs, dames, ne vous asseyez pas! Ça n'est pas dangereux, sauf pour les trois petits rigolos en rouge, là! Allez, ma cocotte, là! Allez! Vous êtes en train d'assister à une évasion! Et il faut que tout se passe très bien! Alors vous allez tous très gentils, vous allez chanter avec moi la Marseillaise, à trois! Allez, un, deux, trois, allons-y! Chantez! Allez, chantez! Chantez! Plus fort! Allez! Je t'ai dit qu'on est protégé par le gouvernement, c'est pas la peine d'aller aussi vite. Chaque fois qu'on veut quitter Paris, les mecs, c'est la merde, hein. Ah oui, mais puisque si, écoute, non, hein. Ils ont été extrêmement réguliers, ils nous ont arrangé une évasion comme ça. Nous, on a promis l'Afrique, faut aller en Afrique, hein, on quitte pas. Putain, mais où est-ce qu'il est, cet avion? Tu veux me le dire, où il est? Ça y est. Quoi? Ça y est, je vois où c'est. C'est derrière. Derrière? Oui, c'est juste derrière, faut faire demi-tour. Hein? Oui, c'est sur la colline qu'on a passé là-bas, c'était de l'autre côté, là. Tenez-vous, demi-tour, tenez-vous, tenez-vous. Ben oui, on se tient, on se tient. Pour la 20e fois, c'est une fausse évasion. Prends ton temps. Tu vas nous tuer, crétin. Alors qu'on a personne! Va doucement, on a le temps! Et voilà. C'est pas croyable. Arrête-toi. Hein? Arrête-toi! Mais non, on va foncer, Lino! Je te dis de t'arrêter! Mais non, on ne m'attrape pas! Là. Arrête-toi! On va leur expliquer maintenant. Vous n'avez pas vu le stop là-bas? Un stop. Un stop. Vous avez vu un stop, vous? Non. Ça? Où il y a un stop? Là-bas, 150 mètres. Pas de stop, là-bas? Pas de stop, monsieur l'agent. Écoutez, mais monsieur, explique. Jean... Hein? Explique-moi. Cette voiture, elle n'est pas à nous. Cette voiture, elle est au gouvernement. L'avion qui est là-bas, l'avion, il est au gouvernement. On doit prendre cet avion pour aller en Afrique. Parce que nous, ici, on veut plus de nous. Faut qu'on s'en aille. Jacques. Voilà, ça se passe. C'est un problème africain, n'est-ce pas? Avant toute chose, c'est un problème africain. Parce que vos patrons, n'est-ce pas, nous nous sommes mis d'accord, vos patrons ont dit, bon, on arrange tout, ils l'ont arrangé. Voilà. Très bien. Mais vous allez en Afrique. Là, vous nous bloquez. Vous nous bloquez et eux, ils nous ont débloqués. Vous avez tort, vous savez, parce que vous allez contre vos intérêts, là, n'est-ce pas? Puisque ce sont eux qui nous demandent d'aller en Afrique. On vous a dit qu'on vient de nous débloquer. Alors vous n'allez pas nous bloquer alors qu'on nous a débloqués.
Quoi? Alors, écoutez, alors lui, il peut pas vous expliquer, je vais vous dire pourquoi, parce que lui, c'est un livre en pote cyclique. Alors, il peut pas vous dire, il n'y a que moi qui peux vous expliquer. Non, s'il n'y avait pas de livre en pote, il y a longtemps que vous seriez emmerdé. Vous ne connaissez pas, vous savez que... Non, à part, alors quoi? Mais pourquoi un parrain? Nous partons ensemble. Monsieur, s'il vous plaît. Mais c'est l'Afrique qui est en question, bon Dieu, alors. Monsieur, un peu de calme, s'il vous plaît, un parrain. Vous savez, vous travaillez dans un établissement où il n'y a aucune coordination. Non, mais est-ce que vous êtes... Non, mais pourquoi est-ce que vous nous bloquez alors qu'il nous débloque? Vous n'avez aucune raison. Votre boulot, c'est de débloquer, rendre les choses fluides. Faut que ce soit fluide. De l'autre côté de la colline, là, vite. Non, moins vite, prends la route. Malheur, vite. Plus vite. Vite, en moins vite. Moins vite. Non, moins vite. Moins vite. Oui. Alors pas vite. Mais prends la route, ça va plus vite. Attention. Toi, tu vas venir et puis on va causer tous les deux. Je te garantis qu'on va causer tous les deux. Névro, pas moi. Imbécile. Et connard. Alors, voilà l'avion. Conclusion spectaculaire du procès dont on vous a parlé, abondamment parlé, qui se déroulait au palais de justice de Paris, le ministre de la Justice a donné sa démission. On ne peut pas ne pas rapprocher ces informations d'autres informations que nous avons reçues. En Afrique noire, où ils sont arrivés sans encombre, les cinq évadés, qui sont à l'origine de cette affaire, ont été accueillis, je crois qu'on peut le dire, en véritables héros. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, des hommes capables de donner 2 millions de dollars pour que triomphe une révolution, mais il faut dire et reconnaître que ça ne court pas les rues, même en Afrique. Et je tiens à vous dire tout de suite, moi, le névropathe cyclique, le chef de la paranoïa occidentale, que le pouvoir, c'est au bout du fusil. Libre. Croyez-moi, il vaut mieux un bon patron qu'un mauvais serviteur. Le chemin le plus court pour aller de la barbarie à la décadence passe par la civilisation. Arrête ! La politique, c'est du show business. Du show business. Nous avons déclaré très haut que tout homme libre ne devrait avoir ni travail, ni famille, ni patrie. Nous sommes des tigres de papier, mais des tigres vivants. Et nous sommes contre l'autogestion dans les bordels. Ah. Première main, 71 décapotables, 6000 kilomètres. Vive Mao! Oui, vive Mao! Lui, jamais n'y a voulu un Ferrari et jamais n'y a écrasé personne. Et vive la Suisse!
gouvernement actuel ne tient plus que... pas un fil. Grève, chômage, idées socialistes, tout est pourri. Chérie, le café, vous voulez le prendre ici ou au salon? Oh, dans le salon, ma chérie. Je termine avec ces messieurs d'abord. Le président est en fantoche. Si vous voulez, on le renverse. Alors, on prend le pouvoir. Nous? Le pouvoir, c'est vraiment rentable? Oh, très, très rentable. Mais si le pouvoir est très rentable, mon général, pourquoi est-ce que vous ne le prenez pas tout seul? Un boost colonel? Non, très impopulaire. Mais avec vous, cinq idoles. C'est que, voyez-vous, général, sur le plan politique, nous sommes pratiquement nuls. Là, tu schématises, nous avons tout de même quelques bases. Vous, des marxistes? Mais de Marx, nous avons surtout retenu la notion de capital, n'est-ce pas? Écoutez, je vous demande pardon, mon général, mais moi, je voudrais savoir quelque chose. Une fois que nous serons au pouvoir, on fera quoi? De l'argent. Beaucoup d'argent. Et il faudra vivre ici? Au début. Alors, général, quand prenons-nous le pouvoir? Lundi, impossible. L'armée est en permission. Mardi non plus, le pape vient ici en visite officielle. Mercredi. Mercredi, ça vous va, gentlemen? Ce matin, peu après son arrivée dans la capitale de la République est-africaine, et c'est vrai, le pape est en déplacement en ce moment, le pape a été enlevé. Quelques temps après, un coup de téléphone des ravisseurs exigeait comme rançon que tous les catholiques du monde versent chacun un franc, oui, c'est ce qui est, un franc pour la libération du pape. Alors là, évidemment, on a le droit d'être un peu surpris. Je vous signale tout de même que ce téléx est passé par la rédaction avant d'arriver sur cette table de carré bleu. On peut penser que l'information a été vérifiée dans la mesure où le Vatican la donne pour exacte. Reste maintenant bien sûr à vérifier dans la capitale de la République est-africaine. On peut être surpris tout de même parce que sur le trajet, il devait y avoir un service d'ordre assez important. Et comment le pape a-t-il pu disparaître? Comment a-t-on pu l'enlever entre l'aéroport et sa résidence? Alors ça, je n'arrive pas à comprendre. Et d'autre part, cette façon d'exiger une rançon, un franc pour chacun des catholiques du monde entier, ça fait tout de même beaucoup. C'est la quête mise au service du gang. Et voilà, voilà pour l'instant les quelques informations que nous avons. Vous pensez bien que du côté de la rédaction, on doit enquêter et très rapidement maintenant. Donc restez à l'écoute et chaque détail, chaque information supplémentaire vous sera donnée directement à ce micro. L'affaire du pape, ça nous a laissé, je vous parle tout frais payé, hein, 12 millions de dollars. Et net d'impôts, attention, là net complètement. Vous savez que le pape c'est merveilleux. On l'a toujours su, quoi, depuis le temps, mais pas à ce point-là. Ça se vend très, très bien. Puis tout le monde, il y a tellement de gens qui l'aiment bien, alors. Non, non, ça a été très bien, le pape. Ça a été très bien. Très bien, le pape. Oui, très content du pape. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure.